On apporte au public la possibilité de se défouler, de se distraire. Quand il y a un concert de Front 242, c'est une sorte de petit événement. Il y a une possibilité pour eux de voir certaines images, d'accéder à des sons, des rythmes. Et en fait, dans une salle, il y a comme une énergie que le public apporte, que le groupe apporte aussi. Alors on essaye de catalyser cette énergie pour en faire quelque chose, pour en susciter des réactions intenses et des réactions contrastées aussi. Nous utilisons sur scène des images militaires parce que ce sont des images qui sont à la fois fortes, universelles et humaines. Et nous travaillons d'ailleurs sur scène comme un commando. Nous avons les mêmes objectifs qu'un commando, c'est-à-dire viser juste et frapper fort. Et nous fonctionnons de la même façon, c'est-à-dire que nous travaillons avec une équipe en nombre très restreint, avec un matériel aussi très, très limité mais très performant. Et disons nos critères pour attribuer les fonctions aux gens qui travaillent dans ce groupe, c'est l'efficacité et la rapidité. Et comme un commando, dès que l'action est terminée, donc dès que le concert est fini, nous nous replions et nous retournons dans l'anonymat. On a réussi en fait à imposer un style musical et une image, Front 242, grâce à des moyens techniques comme un whippiste, qui sont en fait des moyens qui sont très relatés au commando. On n'a pas besoin de moyens excessifs comme un 48 pistes ou un studio très performant pour proposer une musique originale et nouvelle. Front 242 propose un show énergique à 100%. La frontière entre la violence et l'énergie simple, c'est le public qui l'a fait, quoi. Si le public veut recevoir l'énergie négativement, il la reçoit négativement. S'il veut la prendre positivement, il la prend positivement. On a fait proposer une énergie pure et simple. La même chose se passe en sport. Un mouvement sportif peut être considéré comme un mouvement violent ou un mouvement énergique. Donc, au public, en faire la différence. Songs dedicated to Park.